Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Moyen. Moi, c'est Elise Massergé, je suis content avec vous sur la chaîne. Si c'est la première fois que vous passez sur la chaîne, vous invitez à abonner et activer la cloche notification pour capable notifier à chaque fois que je tague en vidéo. Si vous abonnez déjà sur la chaîne, je vous dis merci, merci et merci encore. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait une vidéo côté que mon copain face à la caméra et que je n'ai pas parlé. Donc, je dis à mon côté pour vous 7 conseils qui ont aidé vous, grandi chez vous en santé. Moi, je vous invite à sur la chaîne pour capable suivre 7 conseils et qui vont aider vous pour faire cheveux pousser en bonne santé. Ok, premier conseil moi, pour vous, c'est pas péder pain chez vous. Et quand ça me un petit peu étonnant, mais le premier conseil c'est de ne pas dépeindre les cheveux. Alors, dépeindre les cheveux, surtout pour connaître comment pour manipuler les biens, ça favorise les casse dans les cheveux. Donc, avant qu'on connaisse qui j'en pour bien traiter les cheveux, qui j'en pour bien manipuler. Pour connaître que faut qu'on manipule les cheveux avec un pile soin, avec un pile douceur. Donc, les plus prudent pour ne pas dépeindre les cheveux tout le temps. Voilà. Pour ne pas dépeindre tout. Deuxième conseil, là, c'est peigner les cheveux pour une période de temps qui est assez longue. Elle me dit qu'il est assez long, tant qu'on peigne pour une semaine, on peigne pour deux semaines, on peigne pour trois semaines, ça dépend de vous-même. On peigne tout pour un mois et demi jusqu'à deux mois. Donc ça dépend de vous-même. C'est ça, il fait coiffure protectrice et coiffure qui a duré un bon petit temps. Ouais. Troisième conseil moi, pour vous, c'est. Manipuler les cheveux à l'élite sec. Les cheveux ou sec, ou pas manipuler. Ou utiliser un agent hydratant pour capable manipuler les cheveux. Par exemple, si vous regardez sur chaîne, on voit que il y a plusieurs vidéos qui ont fait une série de thé que vous mettez dans les cheveux. Ça fait moi un petit peu hésiter, c'est parce que tout c'est pas thé. Rien qui partait là-dedans, vous êtes capable d'utiliser bière, ok? Vous quittez le dégazé et puis vous mettez dans le vaporisateur et puis vous vaporisez sous cheveux là pour capable manipuler. Vous êtes capable d'utiliser un démêlant, c'est quelque chose qui là pour capable mettre dans le cheveux là pour démêler juste pour pas manipuler la sève. Vous êtes capable d'utiliser feuilles hibiscus. Si vous par contre comment vous préparez, regardez sur chaîne là une vidéo qui montre comment vous faire ça. Ouais. En pile l'autre bagage essentiel c'est que vous pas manipuler les cheveux assez, puisque là nous sommes trois conseils, n'est-ce pas? Premier conseil c'est pas peigner cheveux tout le temps, ok? Deuxième conseil c'est peigner pour une période de temps qui est assez longue, une semaine, deux semaines, ok? Ça va. Troisième conseil c'est pas manipuler les cheveux les lisser. Et puis un conseil même c'est apprendre à connaître les cheveux avant de démarrer une routine capillaire. Oui, c'est important pour connaître les cheveux qu'il y a avant de démarrer une routine capillaire. Donc, une routine capillaire avant de démarrer. Très bien, une routine capillaire. Parce que, une fois qu'on connaît quel type de cheveux qu'il y a, est-ce que c'est les cheveux qui fin, est-ce que c'est les cheveux qui fort, est-ce que c'est les cheveux qui fait positif, fort positif, ça peut aider au couple bien connaître comment pour faire des soins pour cheveux parce que chaque cheveu il y a un soin qui marche ensemble avec eux. Donc c'est important pour connaître qui cheveux gagne avant de démarrer. Donc ce qui est conseil pour vous c'est utiliser un peigne qui gagne beaucoup dans les bois, manipuler les cheveux, pas manipuler la peigne qui gagne dans série, utiliser peigne qui gagne beaucoup dans les faciliter au tâche. Le sixième conseil que j'ai pour vous, c'est utiliser un ingrédient que vous avez dans la cuisine pour capable faire soin pour cheveux. Donc,
des trucs tout simples que vous êtes capable d'utiliser pour faire soin. Par exemple, vous avez des œufs, avocat, miel, tu vois, des trucs tout simples. Tu auras le temps de voir des masques et tout, tout ce que tu peux faire avec tes ingrédients que tu as dans ta cuisine. Mais conseillant, c'est utiliser ingrédients qui sont dans la cuisine pour capable de faire soin. Et puis, si vous avez moins gagné pour vous, septième conseil mon gars, c'est faire une routine capillaire. Je me dis une routine, faut gagner un rythme de lavage pour cheveux et dans le jour où on va laver cheveux, là, faut gagner un ensemble de soins pour faire pour cheveux. Par exemple, pour faire bain d'huile, shampoing, masque, après shampoing, masque à l'écapable tout et masque et des mélanges. Si le masque est démêlé, on n'a pas besoin de mettre après shampoing. Mais si je ne veux pas trop ça, donc on va commencer avec bain d'huile, après shampoing, masque. Et puis tu as un thé ou bien une bière pour les cheveux avec. Tu comprends? Donc ça peut diversifier soin, c'est ingrédients qui a plein d'un. Bien que j'en dis, tout cheveu pas utiliser même ingrédient. Disons, tout cheveu, c'est pas même ingrédient qui fortifié ou qui aller avec tout. Il y a un ingrédient qui manque tout cheveu, mais c'est pas tout cheveu qui prend mes ingrédients. Donc faut qu'on connaît qui je veux gagner pour qu'on ait ingrédient pour utiliser. Donc pour routine, vous êtes capable qu'il y ait un rythme de lavage qui a eu une semaine, qui a deux semaines, qui a eu un mois. L'essentiel c'est que vous gagnez un jour que vous consacrez pour capable prendre soin des cheveux, pour capable faire des soins pour cheveux. Donc si on a fait, une petite révision bref, on dit premier conseil c'est taper des pains cheveux, surtout pour pas connaître comment vous manipulez les cheveux là, parce que les cheveux sont très fragiles. Deuxième conseil c'est pains cheveux pour une période de temps et déterminer les capables d'une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois et demi, deux mois, ça dépend de mieux. Troisième conseil lancé, pas manipuler les cheveux les lissettes, utiliser un agent hydratant pour capable manipuler les cheveux, du moins sur des mélanges. Quatrième conseil lancé, prenez qui cheveux gain avant de démarrer un routine capillaire pour capable utiliser des ingrédients qui adaptés à type de cheveux. Et puis, cinquième conseil lancé, utiliser un pain à dans l'orge pour capable manipuler les cheveux, lui faciliter le tâchant. Sixième conseil lancé, utiliser ingrédients que vous gagnez dans la cuisine. Vous n'avez pas besoin de chercher 10 000 choses pour capable prendre soin de cheveux parce que, je me dis là, tantôt, les cheveux ils poussent naturellement. Dans la vidéo qui passait avant, c'est beaucoup regardé, au moins vite, fait ça déjà. Cheveux ou les cas poussent naturellement, sauf que avec ingrédients que vous pouvez utiliser dans l'outil, on va seulement booster un petit peu plus. Mais cheveux à naturellement les pousser pour rentrer. Ok, et puis, septième conseil lancé, faire créer disons une routine capillaire et puis faut gagner un rythme de lavage pour cheveux par exemple une semaine, deux semaines, trois semaines. Faut pas laver cheveux à l'orange, donc faut qu'on le faut consacrer pour laver cheveux et puis non les wap laver là c'est pas les non faut dire bien dur tout ce qu'il y a dans une routine capillaire. Donc là, il y a une autre vidéo qui va expliquer qui ça qui est une routine capillaire, qui ça qui gagne une routine capillaire, etc. Moi, vidéo, restez sous chaîne là. Et pas oublier like vidéo ça, mettez un commentaire et puis abonnez à la chaîne là, partagez la vidéo autour pour le comprendre qui ça peut faire pour cheveux capables de pousser bien et en bonne santé. Merci à vous-même qui t'aime qu'à cette vidéo ça. On vous dit à la prochaine fois dans une autre vidéo.